avant de vous conduire dans l'univers de l'atelier de l'inamovible enclume, je voudrais m'assurer que tous ceux qui sont là comprennent et connaissent l'univers de l'atelier de la forge. Donc, chaque fois que vous m'entendez dire Kaito, vous répondez tout simplement vous. Kaito, c'est un vrai vum, un vum énergique, concis et précis. Kaito, parce que dans l'atelier de la forge, on dit que toute chose faite avec le temps vit dans le temps. Mais toute chose faite en dehors du temps court après le temps. C'est pour ça qu'il faut être important, inscrire tout dans le temps. Kaito, Kaito, bienvenue dans l'atelier de la forge. Ah oui, je vais raconter mon projet. Voilà. Donc on dit que le temps, il voyage, il va, il vient, aussi libre que l'espace son éternel complice. Le temps se tire et visite des univers inaccessibles à tout autre que lui. Le temps ramène de ses multiples voyages des secrets qu'il vient confier au cœur de la forge.
Et alors, au cœur de la forge, il y a du savoir-faire forgé. Et là-bas, il y a trois types du savoir-faire forgé. Il y a ceux qui ont, en tout cas, qui veulent meubler leur vie avant de la forger. Il y a ceux qui font le choix de la forger avant de la meubler. Et il y a ceux qui sont forgerons de la vie et des meubles. Vous avez en face de vous un forgeron de la vie, Kaito. Le temps, c'est très important. Parce que dans cet atelier de la force, ce qu'il faut savoir, chaque outil pour être utile doit servir l'autre. Dans cet atelier de la forge, il y a trois espaces stratégiques que je vais vous expliquer. En fait, l'atelier, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a l'espace du foyer. L'espace du foyer que nous appelons Zouklaga. Il y a l'espace du marteau enclume. Ça, là-bas, on appelle Zanri. Il y a l'espace de l'antre du Kentga. Dans cet espace, il y a de l'eau. Et c'est là-bas que tous les outils vont se baptiser. C'est là-bas que tous les outils seront décarburés. Alors, voyons voir. Dans cet atelier, tous les outils qui se trouvent entre l'espace du foyer, entre l'espace du marteau et du foyer, ils vivaient en parfaite harmonie. Et ce jour-là, c'est très important de le préciser, comme dans toutes les histoires. Ce jour-là, c'était en fait Soupim, l'aiguille, venait d'être transportée par la pince pour être baptisé dans l'antre du Kintega. Et là-bas, on a vu les brumes ocres de l'eau de l'antre du Kintega qui enveloppait tout l'atelier de la forge. L'atmosphère était lourde, la température du foyer montait, le crépitement des braises du foyer est crépité un peu partout et on voit jaillir une étincelle qui s'appelle Bukparaga, qui dit « Bonjour à tous et à tous, je m'appelle Bukparaga étincelle. » Je suis venu souhaiter la bienvenue à Aiguille. Oh Aiguille, Aiguille, Soupime, Aiguille, bienvenue, bienvenue dans l'atelier de la forge. Oh toi, symbole de la solidarité, symbole de la cohésion sociale. Oui, bienvenue, bienvenue, Soupime. Ah, bienvenue, toi la généreuse qui préfère habiller tous les outils de l'atelier de la forge, mais qui attend que tout soit habillé avant de coudre ton propre habit. Vraiment, tu es trop humble. Merci, merci d'être venu. Et voilà, l'étincelle se dissipe dans les braises. Et on voit que toutes les étincelles du foyer crépitèrent d'applaudissements. Et à côté, on voit un birin. Le birin, il pointe du nez et dit hey, « Hé toi, étincelle, attention, s'il y a un outil plus important ici dans l'atelier, c'est bien moi. C'est moi qui coupe, c'est moi qui taille. » Et de l'autre côté, on a vu la pince qui dit « Non mais écoute là, calme-toi parce que je suis le passeur. Dans l'atelier de la forge, s'il y a un outil plus important, c'est moi la pince. » C'est ainsi que tous les outils, chacun a commencé à parler en son nom. Et la température du foyer monte. La température du foyer monte, mais le temps passe et l'incivisme s'installe. L'instabilité s'installe. Et je vois que tous les outils, en tout cas, ils ont oublié quelque chose. Ils oublièrent leur harmonie d'antan. Ils oublièrent leur complémentarité et leur interdépendance qui était symbole de la solidarité s'effritait. Et on voyait que cette rouille annihila leur histoire, leur lien, leur origine. Et tous les outils se concentrent sur leur nom. Oui, leur origine, leur lien, leur poids, leur modèle, leur masse. Ils s'éloignaient de l'essentiel de leur origine qui dit, ils sont tous à base de fer. Et je me suis posé beaucoup de questions pour raconter cette histoire. En tant que forgeron, je suis allé voir beaucoup de personnes pour savoir. Parce que je croyais que je connaissais. Et c'est là que mon père, il me dit, maintenant tu sais où tu vas. Ce que tu dois savoir, toi tu dois être le forgeron contemporain. À partir de maintenant, ce que tu dois retenir, c'est que l'activité de la forge maintenant est de canaliser et de limiter le plus possible la faculté de blesser du fer et d'accentuer son pouvoir d'aider l'homme à cultiver sa vie et à entretenir sa vie. Alors,
Je me suis mis à marcher parce que les anciens disent que un idiot qui marche ira plus loin que deux intellectuels assis. Alors je marche en quête de savoir pour rencontrer beaucoup de forgerons au Burkina Faso. Je suis allé au nord, je suis allé au sud, je suis allé à l'est. Toujours pas de réponse à mes questions. Et là, je suis venu en même temps en France ici. Paraît-il qu'il y avait une exposition au musée du Quai Branly, Frapper le fer. Donc j'étais venu pour voir. C'est quoi frapper le fer? C'était effectivement le carrefour de tous les outils du monde. Et là, j'ai appris un peu et je suis reparti encore au village. Et là-bas, au village, j'ai fait une synthèse. Cette synthèse est en cours d'écriture. Et je vais partager ça bientôt dans la joie et dans la bonne humeur. Kaito, voici de façon résumée, de façon racontée, l'histoire que je suis en train d'écrire. Pourquoi j'ai décidé, en fait, d'écrire cette histoire? Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis forgeron. Et dans notre société, le forgeron occupe une place très importante. Lorsque le griot ne réussit pas à résoudre un problème, c'est le forgeron qu'on fait appel. Donc, dans les mécanismes de résolution des crises, moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs délégations pour aller, en tout cas, résoudre des conflits dans les villages. En tout cas, les conflits entre les agriculteurs, les éleveurs, les conflits entre les deux villages, les conflits entre une femme et son mari. Et chaque fois, nous, quand on part avec un marteau, un outil de la forge. Ça m'a frappé. Je me suis dit, pourquoi on utilise un marteau? Parce qu'un jour, j'étais au palais de justice, pour rendre justice, ils utilisent un marteau. Quelle est la symbolique? Je me suis posé cette question. Et je commence toujours à chercher, je cherche, je pose beaucoup de questions, je me pose beaucoup de questions qui traversent, il y en a qui passent par l'oreille gauche, il y en a qui passent par l'oreille droite, et par fini, j'étais un peu perturbé. Très perturbé. Parce qu'avant, le forgeron, il utilisait des techniques pour résoudre des crises. Notre société traverse des crises. La société au Burkina Faso traverse des crises de terrorisme, d'insécurité. Comment raconter cette insécurité? Pourquoi il y a l'insécurité? Pourquoi ces mécanismes traditionnels de résolution des crises ne marchent pas aujourd'hui? Y a-t-il une rupture de transmission? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me recherche, je pars encore à la recherche, je pars, je cherche. Non. En fait, je me suis dit que pour trouver la réponse à ces questions, il faut que je convoque d'autres disciplines pour comprendre. J'ai convoqué quelqu'un qui est scénographe ritualiste, qui vient du Bénin. Et lui, il arrive, il m'écoute. Il dit, j'ai une question. Je dis, non, écoute d'abord. Je convoque un jeune musicien centrafricain qui, lui, il fait de la rumba. Vous vous posez cette question, comment de la rumba dans un atelier de la forge? Puis après, lui, quand il est arrivé, lui, c'est, voilà, il faut faire danser. J'ai dit non, on patiente, observons, écoutons. Je fais appel cette fois-ci à un humoriste parce que j'ai trouvé que j'étais pas très drôle. Donc, l'humoriste, je lui dis, je lui explique. Et c'est l'humoriste qui a réussi à expliquer aux autres qui ont compris parce que pour moi, c'était très chargé et c'était très difficile pour eux de comprendre parce qu'il y avait beaucoup de métaphores. Et je fais venir également un DJ, un rappeur qui, lui, voilà, c'est le rythme. Et on a causé, on a discuté, on s'est dit, ben écoutez, comment il faut mettre tout ça sur scène? Pour mettre tout ça sur scène, il faut qu'on comprenne les symboliques, les métaphores, les histoires de tous les outils de la forge, de toutes vos communautés. Donc chacun est reparti chez lui et chacun est revenu avec des histoires. Et c'est l'ensemble de ces histoires que j'ai concoctées. C'est l'ensemble de ces histoires que j'ai fait une première écriture pour présenter à vous cet après-midi.
Et nous avons eu la chance que on a d'autres partenaires qui croient en nous et on dit, ah oui, c'est bien. On aime ta façon de travailler parce que voilà, écoute, tu es à cheval entre la tradition et puis la modernité. Et moi, je vous dis ça parce que moi, mon oncle, lui, il est archéologue. Et à chaque fois quand je discute avec lui, il ne comprend pas. Donc finalement, il m'a nommé bipolaire spirituel. Donc je me suis dit, bon, écoutez, quand je serai à gauche, je vais raconter à gauche. Quand je serai à droite, je raconterai à droite. Et j'espère que je suis dans votre souffle aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est nos partenaires. Parce que c'est la collaboration qui va permettre de pouvoir, en tout cas, et la recherche d'espace pour pouvoir finaliser cette écriture, la recherche de l'espace pour pouvoir finaliser cette étape de travail scénique. Parce que la plupart du temps, on voit un conteur, c'est lui seul qui est là, c'est lui qui joue, c'est lui qui chante, c'est lui qui fait tout. Mais cette fois-ci, je ne serai pas seul sur scène. On va être cinq. On va être cinq et le chiffre cinq est très important. C'est très important parce que ça va représenter tous les éléments de la forge. Et je profite en tout cas de dire merci à l'Institut français qui va nous permettre de pouvoir nous retrouver un tant soit peu pour encore peaufiner, fignoler le spectacle. Je profite aussi de dire merci au Festival de Francophonie qui m'a permis d'être ici pour présenter aussi dans le cadre de l'Institut français ce projet. Et je dis merci à toutes et à tous. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde puisque d'habitude je le fais. Mais vous êtes nombreux. Merci à toutes et à tous. Et si vous avez des questions, en tout cas, je pourrais vous répondre. En attendant que vous réfléchissiez à vos questions, vous avez vu que il y a, je commence par où, gauche ou droite? Aïto? Vous êtes dans le temps, c'est bien. Donc, ce livre qui est ici, c'est Kossiam, un peu orange. C'est un livre qui s'appelle Kossiam. Et Kossiam, c'est un travail que j'ai fait parce que j'aime beaucoup aller en profondeur de notre culture pour puiser les valeurs que nous avons, la richesse de notre culture, les métaphores, la poésie de notre langue. Comment je peux envoyer cette poésie en français pour que ça puisse encore donner plus de force à cette francophonie. Et donc, c'est un livre qui retrace l'histoire de l'insurrection populaire qui a lieu au Burkina Faso les 30 et 31 octobre 2014, où moi je faisais partie de, bon, je fais toujours partie d'un mouvement de la société civile où nous avons marché. Nous avons effectivement Yasbouk même qui joue à côté, qui joue là peut-être si vous êtes là le premier, il joue ici, vous allez le voir, c'est le fondateur, en même temps le président de notre mouvement, le balai citoyen, parce qu'il fallait balayer les ordures politiques. Et il y a un livre, le CD qui est ici, c'est une collaboration avec un musicien français qui fait du jazz. Voilà, donc, et il y a aussi le CD qui est ici, qui est la compilation des contes que j'ai réussi à concocter avec de la musique également, contes et musique, à l'image de la place du village pour agrémenter la vie. Et parce qu'on dit, hein, le conteur, c'est celui qui agrémente la vie de la société avec son tissu de mensonges. Donc, celui-là, l'autre livre, c'est le conte à l'école. Le conte à l'école, c'est très important pour moi parce que je m'inscris toujours dans la transmission. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui font que la transmission des valeurs essentielles de chez nous, voilà, c'est presque perdu. Donc, on est obligé de trouver des gens qui vont rétablir l'ordre et l'harmonie à travers des ateliers pour permettre aux enfants de pouvoir se reconnecter avec leur propre culture, à travers des ateliers qui permettra aux enfants aussi d'assumer et de savoir qu'il y a des héros africains, parce que c'est important, parce que c'est très difficile. Moi, dans le quartier, quand je faisais l'atelier dans les écoles, je posais des questions comme ça aux enfants. Quel est votre héros préféré? Et tout de suite, c'est Lady Bird, Iron Man. Bon, je dis, c'est pas africain. C'est pas que c'est pas bien, mais il faut avoir aussi un ancrage culturel.
Donc voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. Donc si vous avez des questions avant qu'on se dise Kaito Vum, parce que lorsque la parole est sans cesse dans la bouche, elle finit par devenir de la bave. Oui. Oui, moi j'ai une question. Pourquoi utilise-t-on le marteau pour faire la justice? Pourquoi on utilise le marteau au palais de justice pour rendre justice? Je ne sais pas si je vais le répondre ou bien répondre à la question ou bien je vais... Parce que c'est ça aussi la richesse que nous sommes en train de faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il faut qu'on se retrouve après l'écriture pour partager ces moments. Bon, je rigole. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marteau utilisé dans la tradition, c'est très important de le préciser, c'est parti, cette question-là est partie de deux choses, de deux proverbes. Le premier proverbe qui dit que l'aiguille, c'est le plus petit outil de la forge, mais c'est avec la plus petite des aiguilles qu'on tisse le plus magnifique des habits. L'autre proverbe, c'est pour arranger une palabre, on n'apporte pas un couteau qui tranche, mais une aiguille qui coud. Et je me suis dit, j'ai posé la même question au sage que j'ai vu, et j'ai dit, mais est-ce qu'il y a une continuité, il y a un lien entre le marteau moderne et le marteau traditionnel? La réponse qu'il m'a donnée, il disait qu'en fait, le marteau qu'on utilise pour résoudre des problèmes, c'est pour tisser des liens. Le marteau qui arrive ne sépare pas, mais ce marteau-là crée des liens, tisse des liens. Tout comme, par exemple, au contact du marteau et de l'enclume, le marteau, en même temps, en frappant le fer pour modeler, en même temps, il demande au fer d'être mien. Parce que c'est la même famille, c'est ça qu'on dit dans l'atelier de la forge, nous sommes frères parce qu'on est fer. Donc, moi, ce que j'ai compris, le marteau de traditionnel tisse à l'image de l'aiguille qui coud, et le marteau moderne tranche tel le couteau qui tranche. Oui. Oui, oui, c'est ça. Que le conte, il est à la fois sonore, corporel, mouvement, énergie. Que représente le conte pour vous personnellement? Pour moi, c'est que le conte représente. Ah, vaste question. Pour moi, le conte, c'est la vie. Le conte traite de la question de l'humain. Et enseigner le conte, c'est enseigner des hommes libres.